a une peur panique des grenouilles. Ah, ce n'est pas drôle. Il y avait une dangereuse créature là tout près. Oh, tu veux parler de la grenouille qui est sur ta tête? Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire? Rixel l'a envoyé pour nous espionner. Il a du mal à gérer son enthousiasme. Ah, quel sale fouineur! Vivement qu'on ait la potion, qu'on se débarrasse enfin de ce monstre. En route, Rixel n'est peut-être pas loin. On n'a toujours pas trouvé Yuko et Simo. Je sais, oui. On se sert des bagues de l'amitié ou c'est de la triche? Les amis, il s'est réveillé, venez vite! Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir? Oui, mais j'ai une idée. Renvoyons-le à son maître Rixel avec un message. Pierre, feuille, fluide! Le fluide vert est plus fort que la feuille. Ah, ce n'est pas grandiose, ça! Pour la dernière fois, il n'y a pas de fluide vert dans ce jeu. Ah ah! C'est toi qui le dis! Je suis un homme qui joue avec ses propres règles du jeu. Bon, écoute! Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pensez à éduquer votre petit singe, ça nous évitera d'avoir à lui sauver la vie. Ensuite, vous n'avez aucune chance d'attraper Onchao, alors laissez tomber. Pour finir, nous avons une arme efficace qui débarrassera Centopia de votre présence une bonne fois pour toutes. Et signez Mo, Mia et Varia. Elle a même dessiné un petit smiley juste là, tu vois? Quelle bouffonnerie! Ils ne riront plus quand j'en aurai fini avec eux. Attends, tu y vas tout seul? Et les chardons du sommeil, les monstrueuses licornes et les plantes? Prends au moins Gourga avec toi! Yuko et Simo ont pris cette partie de cache-cache très au sérieux. Tout à l'heure, j'ai vu Simo par ici. Il ne doit pas être bien loin. Allez, montre-toi, Simo. Ça y est, la partie est finie. Levez la tête! Youhou! On retourne chez Tassandra. Venez! Alors comme ça, tu étais avec Simo dans un arbre? Pourquoi cette question? Tu es jaloux, Mo? Non, c'est juste que... Je racontais à Simo combien la Cita l'appréciait. On voyait presque des petits cœurs flotter au-dessus de sa tête.